Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, nous sommes dimanche. Je pense que vous êtes toutes peut-être impatientes hein, parce que j'avais bien dit que je ferais le tirage au sort aujourd'hui. Voilà, mais jusqu'à présent, nous n'étions pas à notre domicile. Donc là, je me trouve dans un cadre qui n'est pas habituel pour tourner mes vidéos scrap. Je suis dans le bureau de mon fils. Donc nous allons procéder au tirage au sort pour désigner les trois gagnantes de mon concours des 2 ans de ma chaîne. Alors, je vais peut-être quand même revenir sur les lots. Donc, la première gagnante remportera le calendrier de l'Avent. Il est donc composé de 25 pochettes garnies de petites surprises. Le deuxième lot, c'est l'embellissement de box, garni également, mais avec des choses à côté parce que tout ne rentre pas dans l'embellissement de box. Et le troisième lot, c'est la pochette garnie également. Voilà. Alors, hier j'ai fait une vidéo sur laquelle je revenais sur tous vos numéros de participantes. Alors, si vous voulez, on va repasser dessus. Donc, ces numéros correspondent exactement à ceux que je vous communiquais quand je vous envoyais un mail pour vous dire que votre participation était arrivée. Hein, voilà, c'est les numéros que je vous communiquais à ce moment-là. Alors, vous êtes exactement 34 participantes. Voilà. Je vous remercie toutes, pour les magnifiques créations que vous avez faites. Et c'est vrai que ça m'a permis hier de faire une vidéo magnifique avec deux très belles vitrines. Alors, je vais doucement bouger vers l'ordinateur. Voilà. Alors, tu peux lancer 34. Et vas-y. Numéro 2. Parce que là, j'y vois rien du tout. Alors, numéro 2. La numéro 2, c'est Sonia, nos mamies créa. Alors, attention. Hop, je vais sur le. Voilà, c'est ça. Sonia, nos mamies créa. Alors, Sonia, je te félicite. C'est donc toi qui remportes le calendrier de l'Avent. Nous allons ensuite nous diriger de nouveau vers le compteur pour donc désigner. Je remets sur 100, je remets sur 34. Voilà, et tu lances. Numéro 32. 32. Alors, l'embellissement de box, voilà. Eh bien, c'est génial, voilà. La deuxième gagnante qui remporte l'embellissement de box, c'est Maria de la chaîne Maya 0776. Voilà, félicitations Maria. Et nous allons tirer au sort la troisième. On y va. 28. Alors, 28, c'est... Où est-ce qu'elle est? Tac, tac, tac. 28, c'est Cathy L. Cathy Scrap. Voilà, donc le numéro 28. Alors... C'est pas que j'ai pas de mémoire, mais on a donc dit la première, c'est Sonia. Donc Sonia, tu remportes le calendrier de l'Avent. Hop. La deuxième, c'est Maria. Maria, deuxième. Hop. Oula, attendez. Je ne peux pas écrire en même temps. Voilà. La deuxième, c'est Maria, le numéro 32. Et on a donc dit la troisième. Tenir l'appareil photo et écrire en même temps. La troisième, c'est Cathy L de la chaîne Cathy Scrap qui remporte la pochette. Voilà. Eh bien, je vous félicite toutes les trois. Je suis très contente, hein, très contente pour vous. Bon, bien évidemment, comment dire, je sais que voilà, un concours comme ça fait toujours des déçus, mais rassurez-vous, moi la première, c'est difficile. Si j'avais des journées voilà, des journées pas occupées par le travail, j'aurais fait beaucoup plus de lots, je peux vous l'assurer, et beaucoup plus de gagnantes. Alors par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que toutes les autres, hein, toutes celles qui sont sur cette liste et qui n'ont pas gagné, donc hormis bien sûr les trois gagnantes,
Comme vous le savez, depuis cet été, je fais des tutos surprises. Alors j'en ai déjà un qui est fait, qui est filmé depuis, je crois que je l'ai filmé à la fin de l'été. Ce sont des créations, donc des tutos, ben, tout le monde connaît, je ne vais pas vous apprendre, hein. Donc je fais des créations en vidéo. Et ensuite, normalement, je lançais un tirage au sort. Il fallait envoyer un petit mail, je participe. Et vous remportiez donc le... Je faisais un tirage au sort aussi avec random. Et vous remportiez la création. Ou des fois deux créations. Et là, je procéderai autrement maintenant. Pendant un certain temps, les créations que je ferai en tuto surprise, je ferai un tirage au sort parmi cette liste. Voilà, parmi vous toutes, ça ne sera pas ouvert à tout le monde. Ça sera ouvert à vous toutes qui avez participé à mon concours des 2 ans de ma chaîne. Alors, je ne vous le cache pas, il y en a déjà un de fait, hein, depuis la fin de l'été. J'avais créé, d'ailleurs il y a 2 choses à remporter, donc il y aura même 2 gagnantes. Alors, je ne vais pas le mettre tout de suite sur ma chaîne. Mais ensuite, je vais essayer, au fil du temps, de vous, ben voilà, d'en faire et de vous faire remporter, vous qui êtes sur cette liste, des petites créations. Ça va être ma manière à moi, quand même, de vous remercier, voilà, les unes et les autres, pour tout ce que vous avez fait pour ce concours. Parce qu'on lance un concours, mais un concours... Ben, sa réussite aussi, c'est qu'il y ait des participantes. Et les participantes, c'est vous. Voilà. Et c'est difficile, de effectivement, lors d'un concours, de satisfaire tout le monde. Mais voilà, j'ai fait 3 gagnantes. J'espère qu'elles seront contentes. Je les félicite. Vraiment. Alors, Sonia, Nomami Créa, tu as, toi, tu n'as pas de chaîne YouTube, mais un compte Insta. Maria N. Donc, Maria de la chaîne Maya0767, donc toi, tu as une chaîne YouTube. Et Cathy, elle, tu as également une chaîne YouTube. Voilà. Donc, bon, ben, voilà. C'est, ouais. Bon, écoutez, je suis très contente pour celles qui ont gagné. Je pense que vous êtes toutes super fair play. Vous serez contentes aussi pour L3. Et je vous dis, voilà, on ne va pas en rester là parce que j'essaierai dans mes tutos surprises. Enfin, j'essaierai de faire des tutos surprises peut-être plus souvent. Bon, là, j'en avais déjà fait 2 ou 3 dans l'été, je crois. Oui, finalement, sur 2 mois, j'en avais fait 3, je crois. 1, 2, 3. Donc, bon, il suffit d'avoir des idées, hein. Il ne faut pas non plus faire les choses. Bon, voilà. Écoutez, je ferai des tutos surprises et à chaque fois, je ferai un tirage au sort parmi cette liste. Vous êtes toutes des créatrices merveilleuses et je ne peux vous dire qu'une chose, c'est merci. Parce que la réussite de ce concours, c'est aussi grâce à vous. Alors, à très bientôt. Félicitations aux gagnantes.